My name is Gaius Julius Caesar, conqueror of Gaul, scourge of the Britons and Germans, and Rome's greatest commander. Once I was a consul of this proud republic, and led the squabbling group who call themselves senators. But now, the wind has turned. Today, I cast the die as I cross these waters and march against my erstwhile ally, Pompey, and the scheming Optimus. The events that have forced my hand have been both tragic and glorious. And in their retelling, let future citizens understand why brother must fight brother and why Caesar must prevail. Alia Iacta Est. Bonjour, bienvenue sur le jeu Hegemony Rome, The Rise of Caesar. Troisième épisode sur ce wargame très intéressant sur l'Antiquité, sur Jules César, qui donc à la conquête des pays de la Gaule. Nous allons charger notre sauvegarde. Et donc on est ici. Alors, sachez que dans le jeu, vous pouvez à tout moment aller dans les options. Et là, dans par exemple le gameplay, vous pouvez augmenter, diminuer la facilité de la difficulté du jeu. Et ça, c'est important de le savoir. C'est dans le jeu, c'est prévu comme ça. Donc vous pouvez l'utiliser si vous le désirez. Parce qu'il y a des moments où les combats sont très difficiles. Alors, on doit fabriquer un pont, on fera après. On doit aller. On va mettre des remports de la Désa, aller à l'Eporelia. Pour Ancestraux, trouver au moins deux forts abandonnés dans les Alpes. Alors, on va envoyer principalement notre troupe de piquet Genève jusqu'ici. Et ici, ils vont pouvoir. Récupérer 3 légions. Avec ces légions, on pourra donc attaquer les forts dans les Alpes qui se trouvent ici, qui sont d'Arantasia, qui sont bien défendus et qui ne sont pas faciles à avoir. Ici, on a une légion qu'on va demander qu'ils prennent le camp de bûcheron. Et en même temps, on va envoyer d'autres troupes, comme les frondeurs, également. On enverra les ouvriers après. On va enlever la pause. Et on va laisser faire nos troupes. Voilà. Donc on va prendre ce comme bûcheron qui nous aidera à avoir plus de bois, qui est intéressant. Ici, pendant ce temps-là, on pourrait construire un mur en bois. Parce que ce côté-là, ça craint un peu. Ici, pour l'instant, non. Alors ici, on a des ennemis qui vont nous arriver dessus. On va demander à nos légions d'avancer et à nos frondeurs d'attaquer. Voilà, on va laisser faire un peu. Ça capture le camp, j'ai mes troupes de piquiers qui vont traverser. Ici nos troupes sont en train d'attaquer ces unités de mêlée. Mais le but que maintenant c'est d'envoyer mes piquets de Genève ici de façon à récupérer ces légions. On va découvrir sans doute des forts abandonnés dans les Alpes. Alors ici maintenant c'est fait.
On va capturer les unités guerrières pour les transformer en esclaves. Alors eux, pour l'instant, ça va, on les attaque pas, donc ils se font tirer dessus, mais bon, ça devra aller. Et ici, on a des unités qu'on va pouvoir aller. On a découvert un camp. On va leur demander d'aller là. Ce camp-là. Et on va demander à nos ouvriers qui sont ici de récupérer le camp, de bûcheron. Alors ici, on découvre un vieux fort romain. Alors ici, ce fort va être pris. On va pouvoir peut-être l'améliorer avec des murs en bois. Ouais, c'est bon pour le protéger. Ici, on va relier. Ah, et ce camp va être relié à la cité première pour les alimenter en nourriture, en bois, et ainsi de suite. Alors ici, on a pu aller là, on a pu récupérer. Ici, ils ont peut-être besoin de manger. Alors ça, c'est Titus qui peut être amélioré encore, on peut améliorer ses compétences. Et ici, on peut le faire passer, améliore les dégâts infligés par vos unités pendant un assaut sur un camp ou une ville fortifiée. Les rangs les plus élevés vous permettent de construire des ponts plus larges. D'accord, médecin. Médecin permet de traiter les blessures mineures en combat, ce qui donne l'unité un avantage défensif sur le terrain. Utile pour les unités qui doivent tenir une ligne de bataille pendant qu'une autre opère un contournement ou pour soutenir une garnison pendant un lancer. Je vais le mettre en pause parce que sinon j'y arriverai pas. Ici, entraîneur permet à l'unité d'entraîner de nouveaux membres en utilisant moins de recrues que la normale. Voilà. Ici, les éclaireurs. Les portes étendards améliorent le moral maximum de l'unité, permettant de subir des dégâts plus importants avant la déroute. On peut faire passer en chasseur 2. Alors, ça permet de se ravitailler en partie seule et réduire leur taux de consommation générale. Les chasseurs ne peuvent pas nourrir totalement l'unité. Il lui faut tout de même se ravitailler dans un camp ou une ville. Ici, les vaguemestres. Voilà, ça permet de mieux gérer les fournitures, de transporter plus de nourriture, et les rangs les plus élevés transforment des hommes en pantins lourds, beaucoup plus efficaces, mais au moral plus fragile. Ici, on peut les faire passer en centurion, améliore capacité d'attaque en mêlée de l'unité, utile contre les ennemis à armure lourde ou quand vous aurez besoin de mettre fin rapidement à un combat. On va le faire. On le fait passer donc en point d'expérience en centurion. Voilà. Et ici, on va demander à nos légions qu'on a récupérées, voilà, d'aller sur ce fort. Voilà. Une troisième. On va demander à nos piquiers d'y aller aussi. Donc ça, c'est bon. Ah, ici, pour l'instant, ça va. On craint pas trop. Ici, un arbre a été construit, donc on est protégé. 21 sur 20, donc c'est bon. Alors ici, on avance. On peut le transformer en mur en bois. Enfin, on peut lui mettre des murs en bois en protection.
si on se fait attaquer. Donc là, c'est très bien. Maintenant que vos unités arrivent sur ce camp. Donc cette unité là, on peut les faire manger. Ils seront quand même eux aussi. On a trois légions. Et on va les envoyer attaquer ce fort. C'est parti. Voilà. Il y a des unités qui sont en train de... On va essayer de le prendre assez vite. Ils vont se faire attaquer. Hein. Et on va transformer ce fort, ce camp. On va lui mettre des murs en bois. Pour l'instant, parce que j'ai assez de bois, j'ai assez de nourriture, il n'y a aucun souci. Et ici, on va voir ce mur en bois, se construire. Il est à 6% pour l'instant. Il n'est pas suffisamment. On a des unités. Il peut pas être alimenté. Donc ici on va essayer de. Je peux pas. Ici je peux produire des ouvriers et on va les envoyer ici. Mais je vais demander à mes piquets de réquisitionner ce camp d'élevage indépendant. Pour que mes ouvriers puissent aller produire de la nourriture, du bétail. Donc je vais commencer à les déplacer. Ici, la capture se fait à 45%. On va pouvoir produire du bétail. Et ça c'est intéressant. Il faut nourrir ces troupes. Et vous voyez ici ils sont en train de... Ils ont pas assez de nourriture, ils sont en train de mourir de faim. Et ça c'est embêtant. Je renvoie mes piquets là-bas. Et je demande à mes ouvriers d'aller. À ce camp d'élevage, ils vont pouvoir produire du bétail. Dans le jeu, il n'y a pas que de la bataille, hein. Il faut également satisfaire les besoins en nourriture. Il faut aussi également du bois pour construire toutes sortes de fortifications. Les matériaux principaux sont le bois. Hein. Et il faut à tout prix en produire. Donc ici on va relier un petit ravitaillement en montagne, ça c'est bon. Ici on va essayer de faire une chaîne de ravitaillement. La première vue, je peux pas le faire, il va falloir que je récupère ici. Et ici je vais augmenter la nourriture. Voilà. Et je vais envoyer capturer également ce camp de bétail. Allez. On va produire des ouvriers. Ici, on envoie notre capitaine avec des piquets que je n'aime.
quoi a du mal à se faire, une fortification a du mal à se faire. Pourtant, il y a 750 en bois. Voilà, ça c'est fait. Et ici, comme ça, je vais pouvoir relier. Pour l'instant, je peux pas le faire. On va l'attaquer ici. On va demander à notre troupe de l'attaquer. Ça, je vais laisser. On envoie des ouvriers. Pour cette production de bétail. Voilà, c'est fait. Ils vont pouvoir manger. Là, je peux pas le relier tant qu'il y a un camp ennemi à côté. Donc il faut à tout prix. On fait un siège comme maintenant. Je vais envoyer d'autres unités attaquer. Par contre. Ils ont vraiment plus de nourriture. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Je vais pouvoir envoyer. D'autres unités. Allez. Voilà, attaque également. J'envoie la totalité de mes troupes. On capture les unités guerrières pour les transformer en ouvriers. Ça a l'air d'aller. On capture. Capture en cours. On capture d'autres unités guerrières. Capturer le camp. Alors on a quand même perdu quelques unités. Voilà. On va prendre le fort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ici. Oh, c'est pas encore fait, hein. Les unités gauloises se défendent, hein. Ils sont sur les forteresses et ils se défendent bien. On n'a pas encore pris. Un Joko, garnison en pierre en première rue, d'après ce qu'ils disent. Ouais, différentes unités se font tuer. On n'a pas des troupes pour pouvoir prendre des forts, encore que l'usure le prend. Mais il aurait fallu avoir ici construire le bâtiment. Ça, tant que ça se passe, parce que sinon je vais perdre des trucs. Pour l'instant, ça a l'air d'aller en première vue. On gagne des points d'XP. À chaque fois qu'on combat, on gagne des points. C'est important.
Allez, je crois que c'est bon, là on va pouvoir prendre ce camp. Voilà, c'est fait. Ça c'est bon. On pourra également prendre des unités. Voilà. On va capturer ces unités ouvrières, esclaves. Allez, il y en a encore là-bas. Les piquets vont plus vite. Alors ici, on va relier ce camp et ce camp de façon qu'ils puissent manger. C'est important. On va envoyer des esclaves dans les camps. Ici, il y a déjà un mur en bois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est un mur de nuit par exemple. Donc voilà, on a capturé pratiquement. Ah, ici on s'est fait reprendre. C'est plutôt embêtant. On s'est fait reprendre ce fort à cause de fortifications qui se trouvent par là. Et ça c'est embêtant. Alors ici on a d'autres unités guerrières qu'ils ont besoin de récupérer à première vue. Hein. Et qui n'ont pas assez de nourriture. Pourtant je les ai mis en... Ah bah oui, mais celui-là qui vient perturber la chaîne d'alimentation. Ici, je peux pas. Ici, pourtant, il devrait pouvoir manger. Il faut que je reprenne ce fort. Allez. Je vais envoyer des légions là-bas. Et sur ce, on va s'arrêter là hein, pour ce troisième épisode. On va faire passer les légions 8. 9 et 10 de l'autre côté des Alpes. Le but ce sera de venir à Lugdunum. Et Lugdunum, on va devoir construire un pont sur l'Arar de façon à pouvoir traverser et à continuer notre avancée. Voilà donc pour cet épisode, troisième épisode. Moi je vous dis pour un quatrième, à une prochaine fois. Merci, au revoir.